quand je vois Paqueta à Lille, le mec, il prend le ballon pied droit, pied gauche. Il a des cuisses. C'est costaud, ça a des appuis, ça a un sens du jeu. Quand je vois Thiago qui est en train de marcher sur l'eau au milieu de terrain, qui nous met du liant, j'ai tout le respect pour le petit Maxence Cacré. C'est un joueur en devenir. Le petit Cherki, pareil. Mais pour l'instant, cette année, les mecs qui sont sur la pelouse, qui sont en train de faire le job, il a trouvé une recette. On ne peut pas la lâcher. Sur les couloirs, comme je disais hier soir, tu vois bien qu'un mec comme Kadewere, c'est un neuf. On joue qu'avec des neufs, quasiment. Parce qu'on a Ekambi, parce qu'on a deux qui veulent jouer dans l'axe, parce qu'on a, deux pailles, Kadewere. Mais le petit Kadewere à gauche, il se met minable. Ekambi à droite, il ferme aussi. On a trouvé un équilibre. Alors, comme j'ai dit hier, on va changer, mais quand on changera, ça sera parce qu'on n'a pas le choix, ça sera doucement parce que ça sera l'évidence qu'il faut changer. Il y a les coupes qui vont arriver, mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas envie de dire « Bon, allez, il faut essayer de revenir dans les trois premiers. » Non, on n'est pas loin du podium, on revient doucement, on est cohérent, on commence à refaire peur, parce qu'on nous a assez, on a assez ri de nous, hein, et plus d'un grand, des grands spécialistes de football, les soi-disant connaisseurs. Finalement, ça rigole un petit peu moins, là finalement. Mais maintenant, s'il vous plaît, Monsieur Garcia, vous avez trouvé la recette, appuyez-vous là-dessus, et qu'on continue à prendre du plaisir, parce que ça fait... Parce que putain que ça fait du bien.